Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver. Je me suis réveillée ce matin avec une idée de « Ah, je vais faire une vidéo de ça, trop bien !» Je remercie ma sœur que j'ai retrouvée hier soir qui m'a dit « Non mais, si t'es Mademoiselle Blush, tu peux plus sortir comme ça, j'avais un chignon un peu tout pourri, j'étais pas très maquillée. » Elle m'a dit « Faut te reprendre en main, faut mieux t'habiller, faut mieux te coiffer, faut mieux te maquiller un peu, on se reprend !» Et du coup, ce matin, je me suis dit « Ouais, j'ai bien envie de me maquiller, de m'habiller un peu. » Et j'ai eu cette idée de vidéo, donc merci sister. J'ai mis ma petite robe, hop, comme si j'allais à un mariage. Je l'adore, je vous montre pourquoi. Attention, ce sont les bretelles dans le dos que je trouve trop bien. Et je l'adore parce que ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Je l'avais payé 49 € chez Zara. Elle est hyper bien, elle se froisse pas et elle est hyper confortable et légère. Et c'est un bonheur. Alors, je vais commencer par les cheveux, je pense. Parce que j'ai ce truc là, que j'ai pas voulu défaire avant la vidéo, parce que j'adore. En fait, c'est donc ma sœur qui m'a dit hier, fais-toi un chignon avec des pinces, là ça va pas du tout le chignon avec l'élastique pourri. Et du coup je me suis fait un chignon, mais j'ai dormi dessus, et alors j'adore ce côté un peu choucroutasse que ça donne. Alors évidemment, on va pas en choucroutasse post-dodo à un mariage, mais c'est l'esprit que j'aime bien et que je voulais que vous voyiez déjà, comme ça si j'arrive pas à le recréer, vous avez une idée de ce que je veux dire. Un mariage durant toute une journée, et puis on est pris en photo et on s'en souvient longtemps, etc. Ce sera la seule occasion où je dégaine une brosse à cheveux. Oui, oui. Des cheveux brossés, des cheveux pas brossés, on voit direct la différence. Je vous conseillerais même un petit brushing chez le coiffeur, même si vous vous coiffez vous-même après. Les cheveux sont quand même plus beaux, ils tiennent mieux et tout. Ils ont un pli plus joli. Bref. Donc moi, je vais brosser mes cheveux, juste pour les discipliner un tout petit peu. Le chignon que je vais me faire, ça va être le chignon basique de basique que normalement vous pouvez vous faire quand votre carré commence à dépasser les épaules, ça devrait être bon. Donc je prends tous mes cheveux, sauf la mèche de devant, et je vais en laisser pas mal dans la mèche de devant, et je les amène vers le haut. Ensuite, une fois qu'on est là-haut, on chope tout, demi-tour, vous faites hop, une ou deux fois, comme vous voulez. Et la pointe, on va venir l'enrouler pour que ça fasse comme si c'était tout un chignon. Donc vous faites vraiment un U à l'envers. Et de là, on va venir fixer avec des épingles comme ça, des épingles à chignon. Attention, je vais essayer de bien vous montrer. Vous mettez les pieds de l'épingle dans le chignon, mais vous ne prenez pas trop de cheveux. Ensuite, vous piquez le crâne et vous retournez. Et là, normalement, ça tient super bien. Et vous faites ça à plusieurs coins. Je touche le crâne, je retourne en haut, et au fur et à mesure que ça tient, vous pouvez remodeler un peu la fin pour que ce soit plus joli, un peu plus plat, un peu plus rond et tout. Hop, et je retourne, je prends un peu de cheveux et je retourne. La fin, si vous préférez prendre une pince plate, vous pouvez, s'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Là, hop, je vais refaire faire un petit tour. Tac, et j'enfonce, il y a mon sac à dos qui vient de tomber. Donc là, normalement, j'ai un truc à peu près potable. Et la mèche de devant, ben, je ne vais pas la laisser comme ça, hein, bien sûr, parce que c'est nul. Donc soit vous pouvez faire un truc joli et l'attacher genre comme ça, moi j'aime bien. C'est très classique et très sage, mais je trouve ça joli. Sinon, vous pouvez aussi la remonter sur le devant pour refaire un tour comme ça et donner un peu de volume. Vous voyez que ça fasse comme une mini coque. Je vais faire ça, j'aimais bien. J'avais fait ça hier et c'était pas mal. Je la prends, je la tire un peu sur le côté, je lui fais faire un tour et j'essaye de rejoindre le chignon, voilà, en lui donnant un peu de volume. Et vous voyez, pour donner un peu de volume, il suffit d'avancer un peu, donc vous mettez au niveau que vous voulez et vous allez la fixer là où vous avez vos doigts, avec, je prends une pince plate. Donc on ne reste pas comme ça non plus, hein, évidemment. La fin, je vais la prendre, hop, et venir la cacher sous le chignon. Normalement, ça rejoint pile. Là, je crois que j'ai même pas besoin de fixer. Je vais fixer juste pour être sûr. Si on danse jusqu'au bout de la nuit, comme ça, ça ne se défait pas. Donc là, vous voyez, c'est un peu figé, comme ce que je vous disais, que je ne voulais pas au début. Du coup, pour défiger la coiffure, je vais prendre des petites mèches ici, un peu plus bas, un peu plus haut. Hop, et ça fera un premier mini décoiffé. Et en fait, c'est bien de vous faire ce genre de coiffure tôt le matin. Comme ça, quand vous arrivez à midi, vous avez déjà un peu vécu avec et il y a d'autres mèches qui sont un petit peu tombées. Si ici aussi vos cheveux sont un tout petit peu courts, moi je vais le faire parce que je sais que c'est le cas. Et puis, alors pour le coup, les cheveux qui se défont dans le cou, je trouve pas ça très joli. J'en mets une à la base, hop, du chignon et je la cache sous les cheveux, donc elle se voit pas trop. Et voilà, ça permet que ça tienne un peu mieux. Donc, étape 1 du chignon fait.
On va passer au make-up. Alors j'ai déjà mis de la crème sur mon visage. Alors le teint c'est très chelou parce que je bronze beaucoup avec mes lunettes de soleil, j'ai l'impression en ce moment, hein, parce que j'expose pas beaucoup mon visage, mais mon nez est beaucoup plus bronzé que le reste de mon visage, donc c'est un peu relou. Je prends l'eau de teint Sobio Ethique, c'est la teinte 03. Et je l'aime bien parce que il est très liquide, donc ça donne un résultat très très naturel. Et à moins d'avoir des grosses rougeurs, je vous conseille quand même de faire du naturel, surtout si votre mariage est l'été, parce que entre je danse, je mange, il y a du monde, il fait chaud, je transpire et tout, si vous avez un fond de teint trop épais, franchement ça va pas être très très confortable assez vite, je pense. Celui-ci, je l'ai déjà porté, ne portez pas des produits neufs le jour où vous êtes invité à un mariage, ou le jour de votre mariage d'ailleurs, faites toujours des tests avant. Pour les peaux sensibles, si vous avez un fond de teint où il y a du SPF dedans, de la protection solaire, ça peut être pas mal aussi. C'est pas du tout étalé là. Alors, bon, cette eau de teint, manifestement, faut pas trop tarder à l'étaler, parce qu'elle sèche assez vite. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne, je prends celui de la marque Avril. En très longue tenue, je suis pas sûre que ce soit le top du top, parce qu'il est quand même assez crémeux. J'ai pas encore d'anti-cerne dont je sois folle et qu'il faille pas poudrer. Et j'ai pas encore de poudre bio, donc je vais le mettre comme ça. Un maquillage conventionnel, celui que j'adorais, c'était le Prolongwear de chez MAC, qui pour le coup, pour un mariage, vous êtes tranquille, vous le mettez une fois, vous n'y touchez plus, il est pas crémeux, il sèche bien sans vous faire un truc plâtreux sous l'œil, donc ça c'était top. Ensuite, du coup, je suis invitée à un mariage, j'ai envie d'un maquillage quand même un peu prononcé. Donc je vais commencer par la base Zao, et je vais la mettre au doigt sur toute la paupière. Et vraiment, quand je dis toute la paupière, je monte jusqu'au sourcil. Ensuite, je vais mettre de l'eyeliner, du crayon eyeliner sur la paupière. Donc je fais une ligne un peu grossière au ras des cils. Donc grossière, c'est-à-dire c'est pas grave si elle est pas nickel. Puis là, c'est le couleur caramel que j'ai, mais vous prenez celui que vous avez. Il tient pas du tout dans la muqueuse, hein. ça fait un mois que je le porte. Et à chaque fois que je fais une vidéo, je me rends compte que j'ai du noir qui a coulé. Donc c'est bien, comme ça je le sais. Parce qu'en vrai, je m'en étais pas rendu compte. Et après, vous voyez, je remonte, je fais un petit angle droit. Et là, évidemment, on garde pas son angle droit noir. L'indispensable étape, c'est l'estompage. Donc je prends un pinceau un peu large. Et je viens flouter tout ça. Le trait, hop, vertical. Vous le ramenez un peu dans le creux de l'œil. Et vous voyez, c'est plus du tout noir. Et vous avez plus votre angle droit tout moche. Et pour venir soutenir tout ça, parce que là, maintenant, ça fait un peu délavé. Je prends un fard noir. Et moi, c'est un Zao, mais prenez celui que vous avez, et je vais refaire à peu près le même tracé que j'avais fait au crayon. Donc d'abord le long des cils, et là vous voyez que c'est bien plus noir, et ensuite la petite branche vers le haut, le petit angle droit, mais je vais le faire beaucoup plus gros. Donc là vous voyez, j'ai fait comme une petite ligne, je vais faire plutôt comme un carré. Faut que ça fasse entre la moitié et un tiers de l'œil, selon ce que vous aimez bien. Je reprends le même pinceau estompeur et je viens flouter un tout petit peu tout ça pour que les lignes soient moins nettes. Et là, c'est à vous de doser. Si vous voulez que ce soit plus noir, vous rajoutez du noir et vous réestompez. Si vous voulez que ce soit plus soft, hop, vous en rajoutez pas du tout. Et là, ça va être le plus important. Au centre de la paupière, je vais mettre évidemment une ombre à paupières irisée. Chez Zao, j'en ai deux. J'ai celle-ci qui est marron et j'ai celle-ci qui est un peu cuivrée mais qui est une ombre paupière crème. Celle-ci, j'arrive pas à faire en sorte qu'elle tienne toute la journée sans filer dans les plis, et je vous conseille pas de mettre une ombre à paupières crème le jour d'un mariage. Et vous avez 50 fois plus de chances que ça parte en vrille un peu, que vous n'arriviez pas à contrôler. Donc je vais prendre celui-ci, c'est la teinte 106. Je prends un autre pinceau et je viens faire le milieu. Et vous voyez, je vais du milieu jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et ensuite, vous faites des allers-retours entre le pinceau estompeur de noir et le marron pour bien mélanger les deux, qu'il n'y ait pas une coupure nette, évidemment. Et c'est à vous de rajouter un peu de noir, réestomper, rajouter un peu de marron, réestomper, jusqu'à ce que vous ayez l'équilibre que vous voulez. Je vous conseille très fortement, si vous n'êtes pas très habitué, à vous entraîner l'avant-veille, la veille, pour avoir un truc bien le jour J. Je prends juste le bout du pinceau, comme ça, et je vais en mettre un tout petit peu en bas de l'œil avec un tout petit peu de noir de ce côté là. Je vais mettre évidemment de l'eyeliner noir dans la muqueuse. Je vous ai dit, il tient pas très bien celui-là, mais j'en ai pas trouvé de mieux pour l'instant, donc je vais faire ça, et pour que ça tienne un peu mieux, je vais le poudrer après. Petit pinceau biseauté, fard noir, et je rajoute par-dessus. Et ensuite, mascara. Si vous aimez les faux cils,
vous y allez. Si vous en avez jamais porté et que vous n'êtes pas sûr, je vous conseille pas, parce que c'est une petite habitude à prendre quand même. On les sent un peu, moi, je trouve, mais si vous aimez bien, vous vous faites. Moi, je vais faire ma petite technique du mascara. Je zigzague, je descends tout doucement. Ça devrait faire l'affaire. Et si vous voulez que vos cils soient bien recourbés, vous, une fois que vous êtes là, vous les tenez un peu vers le haut et ils prennent un petit peu le pli. Genre, une fois qu'ils sont au niveau de mascara que vous voulez, là, je pense que j'en ai mis assez quand même, hop, vous mettez votre pinceau en haut et juste vous recourbez. Il faut faire attention de ne pas se toucher la paupière, hein, parce que sinon c'est tout loupé, mais en le faisant à plusieurs endroits, vous voyez, ça relève tout vers le haut. Est-ce qu'on en met en bas? Moi, non, parce que je suis une grosse pleureuse, donc je vais éviter. Je réalise que je n'ai pas encore fait mes sourcils, donc vous prenez votre crayon à sourcils et bah, vous dessinez comme vous voulez. Là, j'ai repris un Kiko parce que je veux les finir avant de les jeter. J'en ai un autre qui est bio de la marque, je sais plus de quelle marque c'est. Mais je finis cela avant. Pour le blush, je vais prendre quelque chose d'un peu visible parce que en photo, ça fait quand même un petit peu la différence. Je vais prendre le Zao, c'est la teinte 322. Qui est là, il est un tout petit peu brique mais assez quand même très pigmenté, donc j'en prends pas énormément, je prends sur un gros pinceau exprès, vous voyez, genre je fais et ça suffit, et je viens tapoter, parce que si je le mets direct ça va faire une grosse trace rouge, donc je viens tapoter sur le haut de la pommette, vous voyez, là où je souris mais assez haut quand même, et ensuite une fois que j'ai cette tache rouge assez voyante, je viens l'étaler un petit peu vers l'arrière et vers le haut, et ensuite quand j'en ai plus beaucoup sur le pinceau vers l'avant. Ce que je déteste surtout, c'est quand il y a un passage blanc entre le blush et l'œil. Donc moi je le remonte toujours assez haut, puis je trouve ça assez flatteur si ça touche, limite si ça se fond un peu avec l'œil, j'aime bien. Je vais peut-être pas mettre dans le luminaire non plus, parce que en photo c'est un peu qui tout double, des fois ça fait un peu trop boule à facettes, donc c'est pas indispensable, et en vrai ça fait pas une grosse différence, et en plus s'il y a un peu de soleil, moi je trouve que souvent les enlumineurs, si vous êtes face au soleil, ça fait 1000 paillettes minuscules et ça fait un peu too much. Pour les lèvres, je vais faire soft parce que un rouge à lèvres rouge, c'est très joli quand vous arrivez, pardon, mais c'est un petit peu plus dur à entretenir, entre guillemets. Je prends un petit gloss hyper naturel et comme ça, si pendant que je mange ou que je bois l'apéro, il part un peu, eh bien, ce n'est pas très grave. Boire avec modération, bien entendu. Et puis ça, pour le coup, si après le dîner j'ai envie d'en remettre un peu, bah, je le prends, j'ai pas besoin d'un miroir pour. Je fais juste tac tac et il y a peu de chances que je dépasse ou que je fasse une grosse boulette. Et voilà! J'ai l'impression d'être prête pour aller à un mariage. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Et puis pour celles qui se marient cet été, félicitations, j'espère que vous allez bien fêter ça. Racontez-nous un petit peu votre robe. Est-ce que vous vous coiffez et maquillez vous-même ou est-ce que vous prenez quelqu'un d'autre? Je vous embrasse fort, j'espère vraiment que vous allez bien. Vive les mariages et à très vite. Ciao!